Bonjour, c'est donc avec ce thème Caravane de Duke Ellington que Francis et moi allons entamer cette série d'émissions consacrées aux grands créateurs du jazz. Alors, pourquoi Duke Ellington, Francis ? Bah, disons que je pense que Duke Ellington était une des figures les plus importantes du jazz, dans le sens où il a fait beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des tubes, entre guillemets, et qu'il a amené beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément attirés par le jazz à écouter du jazz.
Oui, moi, J'ai l'impression. et tu sais, je dirais même plus, parce qu'à mon avis, si on prend avec Louis Armstrong, avec John Coltrane, Miles Davis et Charlie Parker, pour prendre ces quatre-là, je pense que pour moi, c'est des plus grands créateurs de la musique du XXe siècle, toujours confondu. Voilà, exactement, oui. Alors, bon, je reconnais que je ne suis pas un grand spécialiste de Duke, mais forcément, comme beaucoup de musiciens, j'étais amené à jouer beaucoup de ses œuvres, parce qu'elles font tellement partie d'un patrimoine du jazz qu'on est forcément obligé d'aborder ces standards d'une manière ou d'une autre, un jour ou un autre. En plus, Duke a eu une carrière qui va pratiquement des années 20 jusqu'aux années 70. Donc, en 50 ans, il a composé plus de 450 morceaux. Donc, sur les 450, il y a des standards. C'est pas trop étonnant, quoi. Voilà, bien sûr, non, non. Et donc, alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, cette émission m'a permis de me ramener à Duke, retravaillant des morceaux de Duke, et je me suis aperçu que c'était vraiment une des bases très importantes, même pour un travail, disons, quotidien, pianistique au niveau jazz. Je me suis aperçu que c'était très important. J'avais eu peut-être un petit peu tendance à l'oublier. Ça m'a remis un peu le pied à l'étrier. Donc, c'est très intéressant. Oui, en plus, je rajouterais que, bon, Duke Ellington, c'est aussi, bon, c'est un chef d'orchestre très charismatique, hein. Alors là, c'est amusant parce qu'on va faire l'émission avec un piano solo, mais parce que Duke était aussi un pianiste qui était passionnant. Tu disais tout à l'heure que, en particulier au début de sa carrière, hein, quand il faisait, bon, il était plus dans le stride, le ragtime, etc. Bon, bah, c'était un pianiste qui avait des moyens techniques très sûrs. Et vers la fin de sa vie, il revient aussi vers le piano. Donc, c'est un pianiste important, un compositeur, tu l'as dit, très important. Alors, il y a André Francis, que j'aime bien, il parle de Duke Ellington comme un organisateur de De musique. musique, Ce qui est exactement. bien dit, je trouve. Parce que c'est à la fois le musicien, c'est le chef d'orchestre, c'est le compositeur, c'est le leader d'homme, hein. Exactement. Non, puis ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai découvert le pianiste vraiment au début dans le ragtime, où je ne savais pas qu'il jouait aussi bien le ragtime. J'étais très étonné de l'entendre. Je me suis dit, quand j'ai regardé, j'ai dit Duke Ellington, et c'était assez impressionnant. J'avoue, je ne connaissais pas sous cet aspect-là. Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, bon, pour les aspects historiques, Duke Ellington, il est né le 29 avril 1899. C'est-à-dire qu'en fait, assez bizarrement, il est contemporain complet de Armstrong, puisque Armstrong, on a toujours des hésitations sur sa date de naissance entre 1899 et 1900. Bon. Et donc Duke Ellington, déjà, il fait partie de la préhistoire du jazz, entre guillemets, hein, entre guillemets, parce qu'on ne va pas parler de préhistoire. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Duke Ellington, il est né à Washington. Et il est né dans le milieu de la petite bourgeoisie noire. Alors, l'intérêt que ça a de dire ça, c'est que d'abord, un, Washington, c'est que c'est pas le berceau du jazz, puisque le berceau du jazz, c'est la Nouvelle-Orléans. Et Washington, c'est une grande ville de l'Est des États-Unis. Et alors, justement, pour revenir à ce que tu disais, le jazz, au départ, dans l'Est des États-Unis, c'est la danse, c'est le ragtime, c'est le stride, Voilà, exactement. c'est tout cet aspect-là. Et alors, la petite bourgeoisie noire, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, Duke Ellington, si on repense à Louis Armstrong à ses débuts, parce que c'est vrai que c'est tentant de faire le parallèle entre les deux, il est à la Nouvelle-Orléans, il est dans les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans, il joue dans les bordels de Storyville, etc. Duke Ellington, lui, complètement à part. Son père, il est maître d'hôtel chez des Blancs, sa mère, elle le couve. Hein, et dès le départ, en fait, ils veulent lui donner une éducation de gentleman, donc dans un esprit victorien. Hein, c'est-à-dire, il fait du dessin, de la musique, il est très bien élevé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Duke. Hein, parce que pour l'instant, il s'appelait Edward Kennedy Ellington, hein, le petit Edward. Et en fait, un de ses camarades de classe, grâce à son éducation un peu policée victorienne, va l'appeler Duke. Et toute sa vie, on garde le Ellington, qui est un gentleman, qui présente bien, qui parle bien, qui a beaucoup d'entre-gens, etc. Donc, Ellington, ça, c'est grâce en fait à cette éducation dans l'esprit victorien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, Ellington, il ne se destine pas à la musique. Hein. Et ça, c'est assez particulier. Alors, il prend des leçons de piano. D'ailleurs, anecdote amusante. Ça, prof de piano s'appelle à l'époque Miss Marietta Klinkscale. Et Klinkscale, c'est en anglais bah, les gammes, hein, enfin Yes, c'est les bien gammes de sûr, musique. Et Klink, c'est faire sonner ou mettre en prison. Et sa première professeure s'appelle Mettre en En prison les prison, gammes. les gars. D'ailleurs, cette anecdote est soulignée par Reda dans ses bouquins. Alors, pour revenir à ça, donc il prend ses cours de piano, mais en fait, lui, au départ, il est passionné par le dessin. Et ses premiers prix, ce n'est pas en piano qu'il les a, c'est en C'est en dessin. dessin. Parce qu'il fait des décors de pièces de théâtre. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il commence. Bon, puis en 1914, donc Duke Ellington n'a que 15 ans, il décide de se consacrer pratiquement uniquement au piano. Et ça, c'est parce qu'il rencontre un pianiste s'appelle Harvey Brooks qui va le mener à faire du ragtime et du stride. Ben, peut-être d'ailleurs Ah bah, tu montes un peu le. je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai quand même un peu travaillé ça.
voilà. Donc, mais alors justement, ce que tu fais avec les pompes et tout là, qui oui, était bon, oui. Et ben tout ça, c'est ce qu'il va faire dans sa première partie parce que il va commencer à écumer tous les cafés, les bars, etc. Notamment un qui s'appelait le Poodle Jazz Coffee. Et en fait, dans ce café, le pianiste s'endormait. Donc, comme le pianiste s'endormait, il dit au jeune Ellington, bah, tu t'assois, tu joues, etc. Et puis moi, je vais dormir parce que je suis crevé. Et donc, c'est dans ce Poodle Dog Coffee que Duke Ellington a fait ses premières armes. Et alors, à son répertoire, il avait le Caroline Shout de James P. Johnson, et donc sur lequel il s'entraînait. Et c'est ce ragtime ou ce stride que tu, enfin dans cet esprit-là, ce que tu viens de nous montrer, l'esprit, hein, qui va créer il va écrire sa première composition qui s'appelle Soda Fountain Rag. Et ça c'est donc en 1918, il a 19 ans, il fait donc cette première composition. Alors bon, entre-temps, Duke Ellington se marie avec une amie d'enfance, hein, Edna Thompson. Il a son fils qui va être très connu, on en reparlera par la suite. Hein, c'est Mercer Ellington. Donc il se marie, puis il décide d'aller à New York. Pour voir un peu où il y a du travail, etc. Alors, il monte à New York avec deux amis d'enfance, hein, donc le saxophoniste l'alto Otto Hardwick, qui va rester avec Duke Ellington pendant un grand temps de sa carrière, et le deuxième, c'est son batteur, hein, Sonny Greer, qui va également rester longtemps avec le combo de Duke Ellington. Donc, il monte à New York, et là, il va un peu à droite à gauche, il rencontre Ada Smith, qui deviendra Bricktop, qui est connue des Parisiens qui aiment le jazz, parce qu'elle a été une des principales animatrices de la scène du jazz dans les années 30 à Paris. Et donc, il rencontre Bricktop, qui permet de lui faire avoir des contrats aux Barons de Harlem, d'une part, et puis après, bon, Hollywood Inn, à Times Square, etc. Je vais même te faire l'ambiance des clubs. Allez, allons-y. Tu peux parler, hein. Mais justement, alors, pour coller sur ça, à cette époque-là, dans cette ambiance-là, il crée Chocolate Kiddies, of 1924, qui est une comédie musicale, et donc où on est tout à fait dans cette ambiance. Je dirais même qu'au départ, la musique de Duke Ellington, elle est un petit peu cabaret, elle frise la guimauve. Hein. Il n'a pas encore mis, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, le risque si on interprète trop straight Duke Ellington, c'est de tomber dans le cabaret jazz, un peu dans la musique d'hôtel, quoi, hein, voilà, pour être sans être critique. Hein, mais, et en fait, d'ailleurs, son premier disque en 1925 n'a pas tellement d'intérêt. Et quand on compare à l'époque avec des gens comme King Oliver, avec Louis Armstrong, avec Fletcher Henderson, avec tous ces gens-là, ou même Jelly Roll Morton, la musique de Duke Ellington n'est pas très passionnante à l'époque, hein, et il va falloir attendre 1926 pour que là il prenne son tournant. Mais ce que je propose, c'est que tu nous fasses écouter Azur, parce que c'est un thème très calme et pour montrer que bon, qui date de 1937, il y a eu des belles versions d'ailleurs. Kenny Burrell à la guitare solo, là, il fait une version splendide, et Elia Fitzgerald en 57, accompagné par Duke Ellington et son orchestre, qui en a fait une version merveilleuse. Mais je pense que c'est intéressant, tu nous joues parce que on est dans cette ambiance assez calme, sans tomber dans le doucereux. On n'est pas dans le doucereux. Et justement là, on a déjà le Duke Ellington un peu plus choses qui vont un peu plus salé. Alors je vais essayer de le faire sonner, hein. Thank you.
Ben voilà, il a bien sonné. Il a bien sonné, je crois. Donc en fait, ben justement, Azur, il y a par moments un petit côté bluesy aussi. Exactement. Parce que c'était je l'ai traité un peu bluesy parce que bon, c'est en plus un thème que je ne connaissais pas bien, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Mais le côté bluesy, Ellington, c'est Leonard Fizer qui dira que Ellington était aussi un sacré joueur de blues, et je pense qu'on le retrouve un peu dans... D'ailleurs, ça me fait penser aussi cet aspect un peu racine du jazz, le ragtime, on a parlé du stride, etc., à Willie Dolan Smith, dont tu me parlais tout à l'heure. Qui était, je crois, le maître de Duke. C'était un maître, et il l'a gardé, en fait, jusqu'à sa mort. Il gardait tout le temps cette emprise de la tradition du jazz, jazz traditionnel dans ça. Oui, d'ailleurs, une vidéo sur, je crois, on peut pas faire de pub, je sais pas, enfin, un certain, voilà, YouTube, où on voit Duke avec Willie Smith, ouais. Et un autre pianiste, un troisième, je sais plus, un plus jeune, qui joue terrible aussi, il joue, et c'est impressionnant, je sais plus le nom de ce troisième pianiste, et c'est à Duke, enfin, en tout cas avec Willie Smith, et c'est assez, oui, c'est formidable. Donc, justement, on disait que là, on était un peu au panorama de l'évolution de Duke dans son piano. Et en fait, en 1926, jusqu'à présent, on a bien dit que la musique de Duke, elle reste un petit peu terne, un peu guimauve. Il se détache pas tellement des vrais musiciens de jazz de l'époque. En fait, c'est 1926 qui va vraiment marquer le décollage de Duke. Alors, pourquoi 1926 ? Parce qu'en fait, c'est Sidney Bechet qui va faire Duke. Alors ça, c'est quelque chose qui peut surprendre un petit peu. Mais en fait, il se trouve que de juin à novembre 1926, Sidney Bechet vient jouer dans l'orchestre de Duke Ellington. Et il va en permanence faire de ce qu'on appelait à l'époque des contests, des joutes, quoi. Il va faire des joutes avec, en permanence avec Sidney Bechet et puis le trompettiste de l'orchestre de Duke Ellington qui s'appelle James Bubba Miley. Et ils vont tous les deux jouer ensemble. Et en fait, Sidney Bechet va apporter quelque chose qui manquait à Duke Ellington, qui était typiquement le musicien de l'Est des États-Unis. Il va apporter la petite composante louisianaise qui lui manquait, donc de l'origine du jazz, etc. Alors, on pourrait dire qu'il y a trois choses que va apporter Sidney Bechet. Interaction entre le soliste et l'orchestre, parce qu'il y a beaucoup d'unisson dans les orchestres de danse. Il faut que le temps fort soit marqué, qu'il y ait un unisson, et puis que tous les danseurs se sentent à l'aise. Bon. Et là, non, Sidney Bechet va apporter donc cette interaction soliste et orchestre. Et puis, il va apporter aussi cette mise en place rythmique, avec l'accentuation du temps faible, etc. Et puis, le côté plus musique de jazz, en fait, qui manquait un petit peu à l'orchestre. Bon, alors, ça, c'est la première chose, c'est Sidney Bechet. La deuxième chose, c'est aussi l'improvisation. Sidney Bechet va mettre de l'improvisation. Tout était écrit, était carré jusqu'à ce que Sidney Bechet arrive, mais disons, tout était carré pour les orchestres de danse. Et Sidney Bechet va improviser beaucoup, etc. Et il va les pousser dans cette logique. Alors, du côté de l'orchestre, là aussi, il y a deux personnes qui vont rentrer dans l'orchestre et qui vont permettre deux choses. D'abord structuré, parce que c'est deux très grands pros. Alors, ces deux très grands pros, c'est Joe Trichinanton, un tromboniste, et puis Harry Carney, qui est un saxophoniste, et qui va rester pratiquement avec Duke jusqu'à la mort de Duke. Enfin, il va mourir avant Duke, mais pratiquement jusqu'à la fin. Et ces deux instrumentistes, John Anton et Harry Carney, sont d'excellents musiciens. Donc, ils vont un peu structurer l'orchestre de Duke Ellington, d'une part, et ils vont également, ça a aussi son importance, permettre au Duke d'avoir une palette de couleurs mélodique et sonore qui n'avait pas jusque-là. Voilà, oui, trouver un peu de... Et trouver un petit peu plus de, tu vois, ce piment-là, le piment qu'il y a dans la musique et qui va faire, en fait, et là, c'est James Bubba Miley, on y revient, qui a été très important, parce que le trompettiste, il va faire ce qu'on appelle le style jungle. Surtout à partir du Cotton Club. Et c'est grâce, entre autres, à Bubba Miley. Parce que Bubba Miley, en fait, lui, ce qu'il a, c'est que il va... au contact de ces nouveaux instrumentistes, au contact de Sidney Bechet, etc. Il va d'abord être un grand compositeur de tubes, et il a notamment un des tubes qui s'appelle East St. Louis Toodle Who, qui est un de ses tubes. Donc, et Bubba Miley va en fait aussi, avec son de trompette qui est assez sale, il met les trompettes bouchées, des effets wah-wah, il met, etc. Il va donc avoir une grande expressivité dans la musique. Tout ça fait que 1926, ça va être l'année de l'éclosion. Et il faut pas quand même oublier, rendons quand même un petit hommage aussi à une personne qui va être très importante pour le décollage de la carrière d'Ellington, c'est son impresario, Irving Mills. Ah oui, bien sûr. Donc Irving Mills est très important parce que Irving Mills va en fait professionnaliser la carrière d'Ellington. Donc, il va permettre notamment à Ellington de jouer au Carnegie Hall plus tard, de faire en 1933 une tournée en Europe. Et il va aussi et surtout forcer Duke Ellington à composer, à composer, à écrire. Bon, Duke Ellington va écrire, mais
va composer sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on en discutait tout à l'heure justement, l'édition musicale était une des sources de revenus des musiciens qui était très importante. Donc il demande à Duke Ellington de composer pour pouvoir vendre des partitions. Hein, donc on verra les Sophisticated Lady et toutes ces choses. Bon. Donc voilà un peu pour le démarrage. Et alors, je pense que maintenant, on pourrait écouter un thème qui viendra après, mais qui traduit bien ce côté dynamique, ce côté un peu, bon, peut-être pas au point jungle, parce que pour le jungle, il faudrait avoir l'orchestre, il faudrait pour toutes les sonorités, etc., hein, du Cotton Club, mais non, ce serait pour revoir un peu ce côté dynamique de la musique d'Ellington, ce serait les côtés in-melotone. In-melotone. Hein? Alors, je vais essayer de faire dynamique au piano, sans cuivre derrière. Hein. Alors pourquoi justement tu dis, attends, dynamique au piano sans cuivre derrière? Parce qu'en fait, In a Melotone fait partie de ces morceaux, un peu comme de Sea Jam Blue, qui est un très beau thème, qu'en fait, Ellington, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait l'habitude, bon d'abord, les gens fredonnaient les mélodies. Hein, ils voyaient une pub, par exemple, c'était Bob Marley, ils voyaient une publicité, et puis à chaque fois qu'ils voient la pub, pour faire rire tout le monde, ils chantent. Et Duke Ellington prend la chanson qu'il entend, il la met en partition, il l'orchestre, etc., et il le joue. Et ben, In a Melotone, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu que ses musiciens dans l'orchestre jouaient un riff, donc c'est des petits motifs hein, oui, répétitifs qui accompagnent derrière. C'est pour ça que tu parlais de cuivre, donc on est bien dedans. Oui. Donc les musiciens jouaient le riff, et lui, il a entendu le riff, il dit tiens, mais on pourrait en faire un morceau. Et ça a donné In a Melotone. Voilà, que je vais essayer de vous interpréter. C'est donc sur In a Melotone, pas si moelleuse que ça, hein, cette touche, que nous allons donc terminer ce premier épisode d'une série de 4 émissions consacrées à Duke Ellington. Et donc, Francis, merci. À la prochaine. Et puis, à la prochaine. À bientôt. Allez, salut. Salut.